best of five. C'est best of five. Tech contre AF. Donc, il va y avoir du niveau. AF qui a transformé l'essai à la Chef Lan 8. Il paraît. En battant Belia King. Belia King qui est un joueur qui se défend vraiment. C'est une performance, une double perf d'AF qui est quand même très jolie. Très sympathique. Ils vont commencer ça, ton tech qui est un des meilleurs. Probablement le meilleur français à l'heure actuelle. Il va se battre contre. Qu'est-ce que je vois? Donc, je suis pas sûr qui est joueur 1, qui est joueur 2. Oui, d'accord, je crois que je viens de capter. Tech qui a donc pris le tag de Luca, qui joue Captain Falcon bleu, qui n'est pas son personnage principal, face à AF, qui n'est pas son personnage principal non plus, mais le personnage secondaire de AF est le personnage principal de Tech, donc il y a une petite sorte de confusion. Mais les étiquettes sont correctement placées. Vous avez donc le rendez-vous d'AF qui va essayer de créer l'exploit chez le Captain Falcon absolument ravageur de Tech. Le Captain Falcon très axé grosse offensive en fait. Il a cherché à repousser l'envahisseur. Et Dieu sait que c'est un envahisseur parce que s'il envoie vers l'arrière, il peut se passer des trucs comme ce forwarder qui a malheureusement pas été teché. Ah, il essaie de s'accrocher. AF qui a donc un très léger avantage, mais. Wow! Une down through miss knee upper. Je pensais même pas que. Je n'étais pas sûr que ce soit possible. Surtout avec un personnage aussi léger que Moudou, mais ça passe finalement. Ouh, l'up tilt qui aurait pu passer, mais Tech a probablement anticipé une telle manœuvre. Ouh, le genou! Oh là là! Oh là là! Il saute! Il vole! Il vole au secours! Il supermanise! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va se manger un adversaire derrière. C'est bon. Dance Rony et c'est réglé. C'était franchement bien. C'était franchement bien joué. Non, le manier de roulade de AF, mais il a juste couru sur le côté. Peut-être qu'il voulait juste fuir. Je ne suis pas sûr de comprendre le tilt. Oh, l'entrée par le forêt. Le train. Bon là c'est vraiment le TGV, hein. C'est pas la compagnie ferroviaire des années 80. Et le Nitaunt, ouais. Super mine de roulade vers l'extérieur là, de la part de Tech. Il mine l'esquive en punissant avec un downer. Il est contré. Tech qui est dans une très très grosse spirale positive. AF qui est à l'extérieur. C'est difficile de se garder un doudou. Il revient sur le terrain et Tech s'en fiche. Il veut pas les garder. Il veut faire raquer les pourcents. Il veut que les dégâts montent. Il se tient toujours à l'extérieur. AF qui essaie de faire le moulin de la colère derrière et qui se mange un nid en mode exécution à la chinoise. Pile derrière, mode une dernière volonté, prend ta clope et meurt. Est-ce que AF va changer de stratégie? Va-t-il chercher à créer l'exploit avec son personnage, un autre de ses personnages principaux qui est Ganondorf? On le voit. On voit Tech bouger un petit peu, se déplacer. Je ne sais pas quel sage on choisit. C'est à Tech d'abord de choisir. Et Tech garde Captain Falcon. Ça devait être Fontaine des Rêves, un stage très désavantageux. Dreamland, ce qui est un stage très avantageux pour Rondoudou. Voici relativement désavantageux pour Captain Falcon qui peut quand même mettre des bons combos. Oh, magnifiquement bien joué, j'ai juste entendu, en fait il y a un petit décalage de son et d'image. Du coup j'avais entendu Rondoudou s'endormir, mais je ne savais pas si ça avait touché. Et il l'a magnifiquement bien fait, très bel edgeguard. Oh là, je viens de cligner des yeux, il y a deux vies en moins. La Tech il va essayer de transformer complètement la situation en mettant des trucs un petit peu ultra couillus pour réussir à repousser assez violemment le Rondoudou d'AF. Et Dieu sait que Captain Falcon peut mettre des combos assez violents comme ça, voilà, un double pair qui est assez osé là, c'est vraiment all-in. Il peut absolument chercher, voilà le genou. Et il a complètement rattrapé, donc voilà. En 20 secondes, 2 vies de Rondoudou, 30, 2 vies de l'autre côté. Le match est complètement relancé. Le up tilt de AF après le EPR, là c'était une jolie manœuvre avec un joli petit contre-temps là, qui pouvait servir de frame trap malheureusement. Tech a prévu la manœuvre. Jab dans l'autre sens. Il a raté le down throw. Il a voulu faire un pivot smash côté.
Et on met le neutre à l'air. Avec le neutre à l'air, il n'est pas censé sur une bonne DI du Rondoudou enchaîné sur un genou, mais il essaie de créer cette pression. Wow, c'est le crouch de Rondoudou. Oh! Oh non! L'edgeguard qui était possible! Pourquoi? Non! Encore l'exécution, la chinoise de Tech qui essaie de punir le fait que Rondoudou existe, tout simplement, pour lui mettre un genou, genre comme ça, brah! Sors de ce terrain, tu n'as pas ta place dans un champ de bataille, même si c'est le pays des rêves. Tech il fait des trop trucs franchement osés, il revient par l'extérieur, il essaie d'attaquer avec un downer, c'est des trucs qui sont franchement très dangereux. AF qui se fait un tout petit peu dessus parce qu'il sait pas. Non! Qu'est-ce que cet homme fait? Mais qu'est-ce que Tech fait? Mais pourquoi? Pourquoi tu dis pourquoi? Oh, la torgnole qui passe pile sur le bouclier! Il a essayé de punir avec le... Non! Il va encore... Oh là 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 là! AF lui ordonne d'arrêter! AF lui somme d'arrêter cette humiliation! AF, je ne sais plus! Il est à gauche, il est à droite, il va se suicider ou pas, on sait pas. Il va... Ok, un genou. Dès qu'il le regarde, qui s'amuse, hein, tout ça. Ouais, qui s'amuse. Il avait un petit peu ce côté-là, genre, pas ma faute. Ses mains ont touché ses genoux. Son médaillon touche à son pénis. Non, mais c'est marrant. Et après... Oh mon dieu. Et là, c'est l'affront. Et là, c'est l'affront ultime. Donc le personnage principal d'AF contre le personnage secondaire d'AF avec la couleur sombre, évidemment la meilleure qui existe, alia ABS renforcé, évidemment ABS direction assistée, et airbag. On aura droit à un Ganon Ditto. On va avoir droit à un Ganon Ditto, donc pour mon plus grand plaisir, c'est de la véritable poésie. C'est juste qu'elle est écrite en police de texte 72, mais c'est de la vraie poésie. Lucas, enfin je veux dire Tech, enfin Yo qui est en train de se manger pas mal de coups. AF qui fait part de son magnifique spacing. Et qui se tient bien à distance, qui chope avec un magnifique Waveland et un 0 to death de la part d'AF. Mais que se passe-t-il? Il montre qui c'est le patron. Il montre qui c'est le plus musclé, le plus chubby des deux. Il arrive à bien se mettre à distance avec 2-3 passes. Franchement safe, évidemment on peut pas choper derrière parce que Ganondorf il space bien. On peut pas le shield grabber. Il space très bien. La taunt en plus derrière. C'est passé en reverse, mais dans quel univers ça existe ce genre de truc? C'était juste magnifique. Oh, dernier, double dernier. Oh mon dieu, cet AFK. Oh là 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 là. S'il avait Meteor quand c'est ça, ça aurait été juste, mais a été absolument... Downer, let's cancel le père de la part de Tech qui essaie de recréer la hype, la surprise. Bon, pilar de AF, pilar de Tech, très bien. Alors, Tech qui se place en situation où il doit 3 stocks comebacker. Il met le down tilt, la JD pour contrer le Waveland, c'était bien joué. On sent qu'il essaie d'anticiper ce genre de truc. Après, il essaie de se prendre pour Bizarro Flay, mais ça ne marche pas, curieusement. AF qui essaie de le renvoyer avec un downer, malheureusement ça marche pas. Tech qui a commencé à préparer, il s'est accroupi, il s'est posé sur un canapé. Il a dit écoute, si tu sors de ce bouclier, je te mets un bye-bye. En fait, non, je déconne, je te frappe sur le côté. Il se tient à l'intérieur, il se fait contrer par la patate. Lui brise crâne de AF. Le Waveland avec le. Oh là là là, il est sauté, il s'est senti ultra pris, complètement libre dans les cieux. Le F-Til qui est orienté vers l'avant et le. Oh mon dieu! Oh là 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 là, il l'a fait rebondir! Il aurait pu le tuer de mille et une manières, mais il a choisi de lui faire manger un bout de mur comme lui il a mangé. C'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, mur pour mur. Magnifique perte de la part d'AF. Tech était un peu perdu. Tech continue malgré tout. Ce reste de l'obstination, quelque part, on ne sait pas. L'issue du match nous le dira, j'ai envie de dire. Chercher Anton, faut qu'il joue contre Genius pour qu'on avance. Magnifique. Anton. Magnifique perte de la. De la magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Il y a Rayson qui dit un milliard de fois BitBuy 38 à ma droite, ça me fait bugger. BitBuy 38, magnifique, magnifique. BitBuy 38, AFAF, tech, AFAF 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Yo, Tech qui. Réfléchit-il? Qui réfléchit quelque part? Il change de personnage. Il demande à AF s'il garde.
Est-ce que Puff AF change? Oh non, Tech lui a demandé quel personnage il voulait. Tech, quel personnage lui il voulait qu'il. Et après il va essayer de le. Il va essayer de créer le miracle. The miracle happens. C'est le principal, c'est normal. Hein. Ouais. Non là ça m'a l'air franchement stylé. Moi j'aime, je ship ce genre de truc là, je suis complètement d'accord. F-Tilt orienté vers l'avant pour contrer le Wall of Pain de Tech. Il va essayer de se tenir avec le Waveland. Backer, magnifique jeu. Backer, double backer pour spacer jusqu'au bout le Wall of Pain. Il y a la tornue, il l'a pas essayé de la punir, c'est bien, c'est prudent. Non, non, non. Le bye-bye qui était un petit peu trop opposé. Il essaie de se tenir vers l'extérieur, il se fait réexpulser par le power d'air de Tech qui commence à complètement anticiper la manœuvre de AF qui fait quand même beaucoup trop de. Qui fait pas mal de Waveland, ça fait partie de son style de jeu et ça le rend relativement prévisible sur ce plan là. Et Tech utilise ce plan là pour le punir, essayer de conditionner. Oh non, il a voulu, il a AF qui a voulu justement contrer sur cette sur ce raisonnement, il a voulu mettre un baby du genre ah t'as essayé de me frapper, moi je te frappe avec un coup qui a mille fois plus de priorité, comme ça tu vas jarter sur le côté. Dès qu'il commence à mettre en place lâcher le pressure, c'est absolument impitoyable comme phase. Il chope, il envoie vers le haut. Oh mon dieu. Ce genre de dit, il peut mener à un reste. Mais là en l'occurrence c'était peut-être un pourcentage un peu trop élevé. Peut-être qu'AF le savait, peut-être qu'il ne le savait pas, mystère. Il le frappe, Deck le suit complètement, il lui rentre un peu dans son crâne. Et AF dit non. Le gros coup de poing, la triforce de la force dans le front du rondoudou. Pour dire casse-toi. Il le renvoie vers l'extérieur. Sticky walk. Il flambe sur la plateforme du dessus qui est à 3 km. Et AF tilt orienté vers le haut. AF qui est en mode Super Saiyan. J'adore ce Ganondorf, j'adore cette vitesse. Oh mon dieu, Tech, AF qui a voulu absolument profiter de cette spirale positive pour minder une roulade vers le centre du terrain, mais Tech savait qu'il savait. Et donc du coup il a complètement fait vers l'extérieur, genre non, vous n'avez pas dit le mot magique. AF qui se tient vers l'extérieur, ça lui a quand même permis de raquer pas mal de pourcents. Il se fait expulser par un forward air en reverse, là il revient pas, il veut profiter un petit peu du facteur coquinasse de Tech, il va essayer de l'expulser vers l'extérieur pour profiter d'une erreur quelconque. Oh, le downstroke, mais là il va devoir taker sur la plateforme. Magnifique ledge cancel. Magnifique ledge cancel de la part de Tech qui fuit du coup cette phase. Non, le APR était trop posé. Il se fait garder. What? Il a voulu faire un reste. Ok. Donc du coup, on est à 2-1. Qui aurait pu être 3-1, mais Tech a fait je sais pas trop quoi. Un truc. Il a voulu faire le reste. Tech qui a essayé de punir. Est-ce qu'il va essayer de mettre le reste pour le grand final? Il met un jab, comme si c'était un jab reset, sauf qu'évidemment AF avait fait la tech sur place, il n'y avait pas de quoi mettre un contre-temps à la tech. Il va essayer de le frapper. Non, il lui met juste le forward derrière, il veut pas lui mettre le reste. Je sais pas ce qu'il a, il a un regard presque compatissant à travers ce regard bleu, ce regard de chanteur. Il l'envoie vers l'extérieur, il le met le forward derrière, il le met le backer, il remet le Wall of Pain, il le tue à petit feu, il veut pas le reste, il veut pas le griller en mode UHT à 1000 degrés pendant quelques secondes, il veut juste le faire griller à feu doux. Il met les plaques chauffantes, il se mange le up B de AF qui revient. AF qui revient, il essaie de revenir par le saut, c'est bien. Il se tient à l'extérieur, peut-être que c'est une erreur technique, si c'est une erreur d'exécution, il se relève normalement. Et cette fois, il lui a mis le reste. Stérilisation. Destruction. Il parle de cuisson et de stérilisation. Cuisson lié au reste. Parce que ça brûle quand même.